Voilà, bonjour, nous sommes à Figueira da Foz, c'est au Portugal. Nous sommes à peu près à 2 heures de route de Lisbonne et à 100 milles très précisément du port de Cascais. Donc là, nous sommes pour voir un catamaran de 57 pieds, un Lagoon 570 Dragoon. C'est le 32e dossier que nous étudions pour en faire notre océano-scientifique explorer qui sera baptisé Love the Ocean. Et il faut savoir que quand on a commencé à étudier un nouveau bateau pour faire donc notre nouvel océano-scientifique explorer, on était parti dans un premier temps sur une construction, et une construction c'était près de 7 millions d'euros, et aujourd'hui on est arrivé à moins de 10% de cette somme, c'est-à-dire qu'on va consacrer le maximum d'argent à la découverte de l'océan, à la science, et non pas à mettre de l'argent dans le bateau, ce qui ne sert pas à grand chose pour faire avancer la connaissance de l'océan et surtout sa préservation. Voilà, alors c'est pas du tout le bateau qui est derrière moi, mais au contraire c'est celui qui est juste là, donc un Lagoon 570, dessiné par Vincent Loriot Prévost et Marc Van Peteghem, donc un VPLP conçu à la fin des années 90, construit en 2001, et c'est le 7e Lagoon 570 de la série. Un bateau taillé pour le large, pas du tout comme les catamarans d'aujourd'hui qui sont plus des caravanes que des bateaux à voile. Et donc nous allons essayer aujourd'hui Dragoon. Ce matin va être consacré donc à la découverte du bateau, l'inspection avec Maxime Drainaud bien évidemment. Et puis l'après-midi à une sortie en mer, voir les voiles, voir le comportement du bateau. Mais le comportement, on n'est pas très inquiet, on sait qu'un VPLP sur toutes ces années-là, avec une construction de Jeannot, donc de Jeannot Technique Avancée, des CNB, Construction Nautique de Bordeaux. C'est un super bateau, très bien construit. Donc toute cette partie-là, on est sûr de nous, ce sera parfait. Nous sommes de retour au port, nous avons passé à peu près 3 heures en mer, nous avons vu les voiles, les différents réglages, le comportement du bateau dans la houle. C'est un excellent bateau, il fallait vérifier qu'il avait bien été entretenu et c'est le cas. Et then I'm happy to sign the sale and purchase agreement to purchase Dragoon.